Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous faire un haul partenariat. Donc j'ai pas mal de trucs à vous montrer, du coup on va commencer immédiatement. Donc tout d'abord on va commencer par le site Sublime. Donc Sublime en fait nous envoie à chaque fois que L'Oréal sort un nouveau mascara, il nous l'envoie pour le tester et ça c'est vraiment vraiment cool. Donc c'est le volume million de cils fatal, donc c'est le violet comme ça. Bon, le packaging c'est toujours le même hein, je sais pas trop si vous voyez mais... Enfin, c'est toujours le même pour les volumes million de cils, c'est toujours les mêmes. Ce mascara là est vraiment vraiment bien. Mon mascara préféré c'est le cils sensationnel de chez Je mets Maybelline. Et celui là bah il fait quasiment le même boulot. Après c'est pas exactement la même application parce que c'est pas la même brosse. Ça c'est une brosse assez simple. Elle a rien d'exceptionnel mais elle fait vraiment très très bien son boulot et donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, si vous cherchez un bon mascara, sachez que le volume million de cils fatal est vraiment vraiment bien. On va passer à ce que j'ai reçu par Octoly. D'abord j'ai reçu un jumbo, je sais pas trop comment ça s'appelle, crayon jumbo lèvres mat, donc de chez Black Up Paris, donc c'est le numéro 19M et il est juste magnifique. C'est celui-là que je porte aujourd'hui, donc voilà, si vous vous demandez ce que je porte aujourd'hui sur les lèvres, c'est ce jumbo là, il est vraiment trop bien. Évidemment il part un petit peu quand on mange mais sinon il est vraiment bien, il tient vraiment bien et je suis vraiment choquée bah, de sa tenue quoi, parce que c'est un jumbo et que bah normalement c'est pas censé tenir autant que ça, donc là franchement je suis vraiment vraiment contente. On va passer à une autre marque que je ne connaissais pas non plus, c'est Make Up Atelier Paris. Voilà, j'ai reçu 4 couleurs. Si vous voulez savoir les teintes que j'ai reçu la beige rose, la beige orange, la raisin et l'autre c'est la rouge rose. Moi personnellement mes deux préférés, parce que les deux autres je les aime pas trop trop, c'est donc le beige rose et le raisin. Voilà, c'est mes deux préférés. Sinon alors au niveau de la qualité on va dire de ces produits là, ils sont vraiment bien parce qu'en fait l'application est genre hyper pratique. Et pareil la tenue est vraiment très très bien, ça dure quasiment toute la journée. Meilleur pour la fin, j'ai reçu 6 rouges à lèvres de la marque Urban Decay. C'est les Vice Lipstick. Les Vice Lipstick coûtent 19€, vous pouvez les retrouver chez Sephora et il y a 100 teintes. Donc autant vous dire que si vous trouvez pas votre bonheur, je sais pas où est-ce que vous allez le trouver. Je vais vous montrer ceux que j'ai reçus. Donc lui le fini est métallisé. Puis j'en ai reçu un, il est magnifique. C'est le 1993. Et lui c'est un fini confort mat. Donc c'est un fini un peu mat quoi. Et il est... Regardez-moi, c'est un marron comme ça. Mais il est genre... C'est une pépite. J'en ai reçu un, alors lui... Il est assez particulier hein. Donc alors lui c'est le Frenemy. Donc lui c'est un fini crème. Donc c'est un fuchsia comme ça. Pas trop à mon goût quoi. C'est pas non plus... C'est pas mon préféré. J'ai reçu le Bang. Donc lui c'est un fini crème aussi. C'est un peu un rouge. Un peu un rouge orangé. Et pas mal rouge quand même. Et bah... Je compare avec le confort mat et j'ai l'impression que le fini est quasiment le même. Donc c'est un peu dommage. J'ai reçu le Wildfire. Donc c'est encore un fini métallisé. Un petit peu un orangé. Il y a le Hitchhike. Donc c'est un confort mat. Un peu un rouge bordeaux. Il tire aussi un peu vers le marron. Enfin, j'entends, on dirait que le rouge lèvres est multicolore. Hein, voilà. Mais franchement, je l'aime trop trop trop. C'est celui-là. Et regardez comment il... Du coup, je vous ai présenté les 6 rouges lèvres que j'ai reçus. Et franchement, je suis plutôt contente. Le soif. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Du coup n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous mette ces deux rouges à lèvres là Urban Decay en concours très prochainement. Je pense que je ferai le concours sur Insta comme d'habitude. Voilà, du coup n'oubliez pas de me dire ça en commentaire. Et puis voilà, du coup moi je vous fais plein de gros bisous et puis on se retrouve mercredi prochain dans une prochaine vidéo. Bye.